Festivus a pas l'air mauvais. Hein. C'est dommage, on n'a pas une compo. Tu vois, si on avait une vraie classe à la fin, je sais pas, un Enyaipsa, un Ossa, un Sakri. Pas forcément un pilier, allez, même un Zobal, un truc comme ça, un Helio, ça va, mais là, gros, Zobal, Helio, Oogie, c'est auto-win de fou, genre. On va le tenter, on sait jamais, je vous l'ai dit, je vais essayer de charger un gros tour 3. Pff, si j'arrive à choper une zone, on sait jamais, j'arrive très. Mais en vrai, je pense que même si j'arrive à tuer un mec tour 3, on aura quand même perdu, mais. Tu veux une zone, tu parles à moi? Oh là là, il provoque la zone, c'est bien joué ça. Dommage, je peux pas tumulte sans bon, je crois. Ouais. Faut que je bon tumulte. Si j'avais pu aller tumulte à sans bon, ça aurait été stylé. Si j'avais commencé mon tour là. C'est bien joué de la part de Dicky. Dicky qui provoque la zone. Si j'arrive à prendre une zone tumulte tour 1, ça peut faire mal. Le problème, c'est qu'il y aura un plastron quasiment sûr là. Il rush. Est-ce qu'il va essayer de casser la zone peut-être? Tu devrais jouer agitation. On peut agitation tour 1 ou pas? Ouais, bon, je vais mettre ça, hein, écoute. C'est tout! Nul! C'est parce qu'ils étaient pas collés, c'est ça, j'en sais rien. Zone sur Zobal. Ouais, j'aurais peut-être pu, ouais. De toute façon, ce combat, les gars, j'aurais pu faire mieux et tout, mais j'ai la flemme, quoi. Là, il va me rush comme un débile et ils vont gagner, enfin, c'est normal. La musique. Bah le steamer qui fait son travail, mais bon. Ouais, l'Hélio, c'était nul. Nul, 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 l'Hélio, nul. Enfin, que va faire le crin? Faut qu'il érode. Ah ouais, mais faut suivre, Coco. Il y a armure de sel là. Il cherche la ligne de Il va pas trouver la ligne de vue là, je sens. Hein. Catastrophique. Ah, il a trouvé. Mais attends, mais il fallait pas tirer de barrage. Fallait cinglanta... fallait empoisonner avant. Ouh là là, bon c'est. Bah pourquoi il a pas empoisonné, je crois, en vrai. Pourquoi il a pas fait flèche empoisonnée? Il l'aurait défoncé. Enfin, il l'aurait retiré des PM et tout, ça aurait été trop bien. C'est pas grave. Bon, nous on va faire quoi? On va emprise. Enfin, l'emprise sert à rien, il peut flair, donc. Ça sert à rien, quoi. Alors, le petit Ouguinac, qu'est-ce qu'il va nous faire du coup, mais qu'il est en prise? Maîtrise d'armes. Il va se pelage à mon avis. Ah, mais une arachne. Arcanin. Il va peut-être mollo sur l'arachne. Ouais. Bon, au moins il a rien fait de chiant ce tour-là. Mince, mauvais garçon, que vas-tu faire, mon pote? Pour l'instant, on n'est pas trop mal en réalité. Il me resecourit, c'était peut-être pas obligé ça. Je pense qu'il faut taper le Zobal là. En plus, j'ai des putains de bugs, je peux pas voir les. Alors, je passe ma souris sur Luginac, je peux pas voir il a combien de points de bouclier. Je passe ma souris sur le Zobal, je peux pas voir il a combien de points de bouclier. C'est horrible. C'est vraiment de la merde ce genre de bug. Je sais pas quand ça va être fixé. Regarde, je passe ma souris sur Léo, je vois. Je passe ma souris sur lui, je vois rien. Je passe ma souris sur lui, je vois rien. C'est vraiment de la merde. La Batiscaf qui carry pour l'instant. Attention à l'Héliotrope qui a peut-être enfin joué à Dofus, parce que pour l'instant il sert à rien. Il va pouvoir taper. Sur qui va-t-il taper? Étirement.
Ça va pas être incroyable son tour, hein. L'héliotrope qui a du mal. Hein. Il va taper sur le Kra. Ok, il a réussi enfin. Il va pouvoir lui mettre une attaque. Qui va lui faire très mal, évidemment. Mais il a un peu de points de bouclier, donc... Ouais, ça va, il a pas pris trop cher. Quand il est taclé, le Kra. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 le Kra est taclé. Faut qu'il trouve une solution pour se barrer d'ici. Et... Ok, c'est bien joué. C'est bien joué. Peut-être représailles, peut être sympa aussi, en vrai. Quoi qu'il a sa pupu à mettre. Faut qu'il fasse ce qu'il sente. Oula, il part sur l'hélio carrément. Ok, pourquoi pas. Enfin bon, le truc c'est... Ah non, ok, il représaille lui. Et il met sa pupu là-bas. Ok, c'est pas mal en vrai. L'hélio qui est dans la merde. Je pense pas que je pourrais le tomber, mais on peut tester. Vu qu'il a 40% de raise, un peu chaud. Que va faire le Zobal? Il a 11 PA 0 PM. Masque pleutre. Le masque, il va venir me casser les couilles, je pense. Il fait apathie. Maîtrise d'armes. Je sais pas si je go sur le Zobal. Non, non, lui, c'est le pire bail. Ça va, il a pris cher votre pote. Je vais me barrer là. Parce que moi encore j'ai des PB, je peux tanker un peu. 730 dégâts. Voilà, il a pris cher. Je pense que c'était le meilleur call, le Zobal. Hein. Parce que le Léo, j'aurais pu, mais je pense que ça va taper beaucoup moins fort. Lugina qui va le pelage. Donc faut lui faire des dopous. Le soigne pas cette fois. Qu'est-ce qu'il raconte, le soigne pas? Ah, il l'avait soigné tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe. Là, faudrait qu'il... Je sais pas s'il jouerait sac. Paraît sac. Ça va vendre de quoi, Ressac, les gars? Ah non, ça va vendre d'un sort-feu, je crois. Bah, au pire, il full tap, hein, ça peut passer aussi en vrai. Un coup de cac, là, ça doit passer, non? Allez. Ah, il a pas de cac, mais fait chier. Ah oui, j'en ai type, putain. Bon, c'est pas grave, je suis pas sûr que Lélio puisse le sauver. Par contre, là, l'héliotrope va faire un kill, quoi. Je pense que notre Kra va mourir. Hein. Attends, on va perdre de peu, mais on va perdre. Tu vois, même en jouant mieux, on va perdre, je pense. Mais c'est dommage, c'est avant de quoi ça. Il n'y a pas plus sonar sinon. Ah, c'était un peu le bourbier quand même. Hein. Parce qu'il était taclé par Louguinac. Parce que, à mon avis, là, le Kra, ça va dégager, quoi. Le Kra, à mon avis, il joue plus. Hein. Vu qu'il a l'ébène, il a deux ébones, hein, il joue plus le Kra. Hein. Par contre, mec, l'hélio, il sait pas jouer ou il fait exprès? Non mais l'hélio c'est une catastrophe, parce que là je crois pas qu'il l'a tué du coup. Alors qu'il aurait pu le tuer, donc là il le laisse en vie, d'accord, bah vas-y tue le Zobal. Hein. L'hélio mec a un de QI. Hein. Zobal double ébène, ah ouais mais s'il a... Ok. Il a peut-être scintillant. Je pense faut assurer le kill. Hein. J'ai pas fait gaffe s'il avait le scintillant ou pas, faut assurer. S'il l'a ça nous ruine donc. Flèche empoisonnée, faudrait qu'il mette un petit cac. Petit cac, hein, effectivement. Je sais même pas quoi faire, moi, les gars. Genre, je peux rien faire pour mon crâne, ça sert à rien, il va quand même crever, genre. Je vais rush l'hélio, hein, parce que l'hélio est en danger. Enfin, il est en danger, il est pas vraiment en danger, mais bon. Lugnaque, on va jamais le tomber. Ils vont nous gérer en 2v3, je pense, les gars. Vraiment, je pense qu'ils vont nous gérer en 2v3. Ou Guy et Lio, ça va nous fumer le cul. Coup de marre torture, il one shot. Il reste encore 7 PA. Bon, c'est un peu bizarre son tour, parce que du coup il doit revenir mettre l'état pro et tout, c'était pas très bien joué. Si tu joues sonar, tu peux sonar sur la kawotte, je sais pas. Mince mauvais garçon, est-ce qu'il va trouver une solution pour se barrer d'ici? Il peut libé aussi tout simplement. Ouais, il va libé. Parce que Lugina, qu'on va mettre 10 jours à le tuer, il faudrait que je l'érode un peu avant limite. Mettre un petit peu d'héros. Alors que le petit Helio là, peut-être moins de faire un bail hein, si j'arrive à lui mettre un petit tour là. Ok, la petite marée. Et s'il va pas me secourir par hasard, ça m'étonnerait pas. Faut qu'il fasse gaffe au portail là.
Faudrait qu'il termine. Je sais pas c'est quoi son portail là. C'est le 2, ok. Bah il termine dessus en vrai. Hein. Ramure de sel, bah faut qu'il me secourisme. Ah ouais, mais du coup il est obligé d'avancer comme ça. Ah ouais, fallait me secourir, gros. Pas grave, pas grave, pas grave. Parce que du coup j'ai pas les PA pour mon tour au Nébu, c'est dommage. Alors que là, au lieu de la Kawotte, parce que là sa Kawotte elle sert à rien, genre il peut quand même taper, tu vois. C'est pas comme si c'était une Kawotte qui empêchait de taper, et là ça sert à rien du tout, il va juste mettre un portail ici. Alors que Secourisme, bah ça me... Ah il part sur moi apparemment, d'accord, bah, tant mieux. Hein. Je pense c'est mieux qu'il parte sur moi honnêtement. Il me debuff je suppose, ouais. Enfin je sais pas en vrai, je sais pas si c'est mieux qu'il parte sur moi ou l'autre. Bah je pense c'est mieux moi parce que le cyber il peut me secourir, donc il peut me soigner un petit peu. Il va fermer. Ça fait chier, j'ai pas la conquête. Parce que j'aurais pu zoner avec son totem. J'ai rassemblement ou pas? Ouais, je vais coup pour coup rassemblement. J'ai pas la conquête malheureusement, ça go tumulte. Pourquoi il a pingé là ce bâtard? Tu vas mettre une petite épée destru. Alors, Lélio 2000 HP, Lugi qui va se faire plaisir. Faudrait pas qu'il oublie d'utiliser la brise lame ici, notre. Je te sens comment s'il me tacle. Non mais lui il casse les couilles, c'est bon frère, t'es pas un putain d'handicapé gros. T'as juste à te putain de détacler. Putain, wesh, t'as juste à Aspi, wesh, en mode je lui demande un truc de fou. C'est un troll lui quand même, hein. En plus, il y a 1 milliard de façons de se détacler avec un steamer. Ah, bah c'est très bien, wesh, qu'est-ce qui me pète les couilles avec ça, wesh, c'est très bien de mettre une gardienne. Ouais, il est con un peu le steamer des fois. Il joue pas mal, mais il a un QI ou quoi? Et évidemment que tu vas te détacler, tu vas pas rester au cac de Lugi de toute façon, débile. Bah, j'ai envie de lui mettre des claques là. Il dit des trucs débiles, vas-y, blindage-toi en silence, toutou. Bah, t'es pas obligé de cuirasse si tu te fous devant lui, j'ai pas compris là. Bon, il aura dû ce blindage, c'est pas grave. Et c'est là où la petite verture est servie, tu vois. Lui, il se prend mon ébène feu. Oh là là, ça va partir en full soin. Aïe aïe aïe, j'ai pas l'emprise par hasard qui est revenu. Ah non, putain, c'est... Ah si, j'ai l'emprise, peut-être sa mère, je crois que je vais l'emprise. Hein. Après, non, il peut flair, ça sert à rien. Ça qui est chiant en emprise, il peut quand même flair. Il ferme tout ça, il va se paume-paume. Il va se soigner, mais il peut soigner qu'une fois, donc ça va. Je vais puissance. Bon là le steamer qui va être dans la merde. Ça va être mort, je pense qu'on va perdre. Hey flair, ok, il était pas obligé mais c'est pas mal de flair. Le steamer faut qu'il se. Attends, je vais le dire. Brise. Ah il fait encore un crit en plus. Il a un QI. Il a 1,5 de QI. Oh, encore ça va, il avait plus que 2 PA. Oh là là, ils ont vraiment un QI, quoi, ça me fume. En vrai, il devrait tuer le totem, je pense. Mais bon, vas-y, Balek. Ou alors il tape. En vrai, s'il lui met l'ébène, c'est bien aussi, hein. Je sais pas, mais faut qu'il se bouge le cul. Voilà, ça c'est pas mal, ça. Allez, mets ton ébène avec une flamiche limite. Juste tu lui mets l'ébène, tu vois. Et après, il se brise l'âme sur la gardienne. En vrai, ça serait le meilleur call, hein. Là, il met l'ébène feu, il vient là, il se brise l'âme avec la gardienne. Il se rend pas compte que. Non, mais là. Enfin, pourquoi pas, mais la brise lame est trop forte contre Ouginak. Il se rend pas compte à quel point ça baisse un Ouginak terre de brise lame. Si... Sauf si l'autre le debuff, mais s'il le debuff pas, ça le baise. Ça va, là, il prend le soin de la gardienne. Là, je prends les PB. Là, Lélio, il est obligé de me debuff. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Il va juste se barrer là-bas, je pense. Que va faire Clayton? Paume curative, comme un petit toutou. Allez, toutou, soigne-toi. Il m'a tapé là, c'est ça? Eh, hey, calme-toi, tape-moi pas. Oh, fais-moi des zones, gros. Fais-moi des zones. Finis à côté de ton totem. Finis derrière ton totem. Allez, reste là, t'es. Non, bouge pas, bouge pas. Je peux quand même zoner, non?
Oh, j'ai le rassemblement, j'ai eu la petite sueur sur les sur le front là. Eh, mon tour il était parfait. Oh, let's go. Mon tour il était clean, clean, clean. Allez, est-ce qu'on va chercher la victoire avec notre compo éclaté contre une compo auto-win? Est-ce qu'on va le faire, les amis? Je vais le dire. Brise-lame, nous, essai auto-win. Il peut rien faire. Je lui donne les petits tips and tricks, les gars. Les trucs et astuces contre les Oogies, les gars. Là, il met une petite libé. Il met, je sais pas, il a pas l'arpo ou. Pas l'arpo, je sais pas, il peut mettre quoi. Sinon, s'il a pas l'arpo, c'est quoi là, le chalutier là. Il met le chalutier. Blindage. Il veut pas brise-lame, hein. Il a pas envie de m'écouter, hein. Je sais pas si s'il a l'harponneuse, il peut encore. Il met l'arpo. Non, il veut pas. Il veut pas. Il me fait pas confiance. Il sait pas à quel point c'est fumé, je pense. Vraiment, il sous-cote, hein. Parce que là, c'est pas encore win, hein. Il m'écoute pas. Il me boude, je sais pas. Ah, il se brise l'âme que lui? Non, même pas. Non, il met son nom. Aïe, 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 aïe. Il comprend pas. Je pense que c'est vraiment auto-win. Mais bon, je vais être gentil. Je vais le Vita. Ton live bug? Non, là, il bug pas le live, par contre, pour le coup. Désolé, des fois ça lag, mais là, si ça lag, ça vient de toi, hein, pour le coup, beau gosse. Est-ce qu'il est en Caprix? En fait, je peux pas sortir en Caprix parce que. Ok, il est pas en Caprix. Parce que j'ai pas de prévisu, en fait. Ah, je retire pas de PA. Faut vraiment qu'il brise l'âme, hein, parce qu'il va finir par crever sinon. Eh, hey, mais écoute pas, le mec, je sais pas, il a pas envie que je le carry, je pense. Ou alors, il a pas le sort. Mais ça vante de quoi, brise l'âme? C'est la récursivité? Je crois que c'est ça. Ça serait bizarre que je récursivité pardon, sur un mode feu. Hein. Enfin, genre, il n'y a pas trop de logique, sortant que la brise-lame est super forte. Et que ça fait 10 minutes qu'il aurait pu brise-lame et qu'il le fait pas. Je sais pas ce qu'il attend. Peut-être qu'il va le refaire maintenant. Cuirasse. Je sais pas, j'ai pas envie de lui redire. Je l'ai déjà dit deux fois en fait. Il remet sa truc. Mais ça sert à quoi? Je vois en bas. J'ai pas compris. Vraiment, là, je comprends pas. Non, il veut pas, il veut pas. Je sais pas. Je pense qu'il a un ego, il a pas envie que je lui paye un tour, c'est un truc comme ça, j'en sais rien. Bon, le blindage, c'est bien. Je pense vraiment qu'il sous-cote la brise-lame, peut-être qu'il a pas le sort, hein, tout simplement. Mais alors, même s'il avait pas le sort, pourquoi il a remis une bâtisse cave, ça sert à rien. Enfin bref, c'est pas grave. On est tour 9. Brise-lame, c'est compas, d'accord. Ouais, ça me paraît bizarre qu'il joue avec compas. C'est quoi le rang de récursivité, les gars? C'est cuirasse? Non, je sais plus ce que c'est. Je vais lui parler dans le canal T, peut-être qu'il a pas vu. Merde. Compas. Merde, faut que je parle là. Non, mais vous me dites, dis-lui, mais je lui ai déjà dit trois fois, les gars. Regarde, brise-lame, après j'avais dit brise-lame. Je sais pas, il connaît peut-être pas sa classe, je sais pas moi. Hein. C'est quand même mystérieux. Il est contre une classe qui joue que au cac et il se brise l'âme pas, genre. C'est tellement auto-win. GG les Benter. Oh, j'ai pas fait gaffe, c'est possible. C'est pas grave, j'avais pas vu, mais c'est pas grave. J'aurais dû lui mettre les Ben Feu, effectivement, mais j'ai pas fait gaffe. C'est ma faute là pour le coup. Allez, gros, brise l'âme. Là, rien, il y a la zone avec ta putain de truc là. Il veut pas, hein. Il veut pas. Je sais pas, mystère, il doit pas avoir le sort, hein. Elle est trop bien cette musique par contre. Mais ouais, non, c'est bizarre. Attends, je vais vous monter le son parce que vous devez même pas l'entendre. Prends bâti avec si tu veux, nique sa bâti. Quoi il parle? Non, mais je prends pas les couilles de ta bâti scaf, mais je crois que je comprends pas c'est pourquoi tu fais pas le putain de brise-lame. De toute façon, on va quand même gagner, mais là il se met en danger pour rien. Hein. C'est pour lui que je dis ça. Hein. Non, non, mais là j'ai pas envie de zoner, on n'est pas pressé pour les dégâts. La bâtie elle sert pas à rien. Je le tacle ou pas avec, avec 35? Ah, je le tacle pas, j'aurais pas dû le coller, j'allais là. Ah, mais heureusement que je suis là pour lui mettre 2 vitas sur la gueule, hein, parce que sinon il va finir par mourir. Hein. Eh, mon Ebenter il tape du 115 en vrai, c'est pas mal.
on va quand même gagner, mais en tout cas, le streamer est chelou. Genre, c'est bizarre, niveau 200, de pas... En fait, je sais pas, même quand je lui pose la question, tu sais, il me répond pas. Il aurait pu me répondre en mode, bah ouais, non, désolé, j'ai pas le sort, désolé, je sais pas quoi. Non. Et en plus, il joue ni avec... En fait, il a toujours pas mis d'arpeau ni de chalutier, donc il y a un problème, genre. Pourquoi il met pas d'arpeau ou de chalutier? Je sais pas, c'est bizarre. Parce que dans tous les cas, il a au moins une des deux, tu vois, genre, c'est obligé. Donc, je sais pas trop ce qu'il fout, c'est bizarre. Pareil, sonar, là par exemple pour se détacler, sauf s'il est dans l'état inébranlable, mais non, il a juste un sonar là, tu vois, c'est tout con, genre. C'est bizarre, hein, vraiment. Parce que par exemple, il le fait pas, quoi. Bon, après, il perd des quimpés au détacle, mais. Marée, pourquoi il marée? Ah, il veut à tout prix que je prenne la zone, d'accord, moi je vais prendre ta zone si tu veux, vas-y. Putain, mais mec, sa vitale descend pas, Luguinac, je vais être obligé de le reroder, hein. J'ai même pas envie de prendre la zone, ça sert à rien, genre. En tout cas, c'est un petit troller, le steamer. Je sais pas s'il fait exprès ou quoi, mais... C'est un petit troller. Heureusement qu'il se prend 1000 ébène, hein. Oula. Oula, la musique est forte. Désolé, la musique était un peu forte. Bon. Le combat qui dure un peu pour rien. Pareil, là, par exemple, s'il veut se détacler, il a juste à Aspi. Après, je crois qu'il perd qu'un PA au détac, donc il peut détacler à l'arrache. Pareil, pourquoi il a 117 d'esquive PA alors qu'il jouait contre une compo qui était Uguinac, Zobal et Helio? Qu'est-ce que tu fais? Genre, il est trop bizarre le Simmer, vraiment il est chelou, genre, on dirait un robot, genre, je sais pas, il est bizarre. C'est quoi l'intérêt d'avoir 117 d'esquive PA contre une team Ugi, Helio et Zobal? Genre, il y a un seul retrait PA qui peut être possible, c'est Atabak. Et sinon, c'est les coups d'art corrompu, c'est tout. Bon, il va mourir avec les ébènes normalement. Bien joué, bien joué. Cinq sur cinq.